il est rappeur, il est jeune, il est déterminé, avec une vraie rage de vaincre. Il s'inspire de la culture africaine pour s'imposer et faire plaisir à ses fans. Après la sortie de plusieurs singles, dont Ferrero, La vie c'est les moyens, Pour ma chérie, en fait avec Elon. Merci beaucoup. Pour ne citer que cela, il nous revient avec un mini-album de 6 titres qui ne laissera personne indifférent. En attendant d'écouter ce bijou, recevons Polo le Affirme d'année en année sur la scène musicale ivoirienne, bientôt africaine. Inch'Allah. Bonsoir, bienvenue chez toi, Polo. Bonsoir, vieux, ça va. Comment vas-tu? Ouais, ça va, tranquille, vieux et tout. Ouais, on est très heureux hein, d'avoir ces talents en Côte d'Ivoire, surtout celui-ci, Polo en particulier, qui est, voilà quoi, c'est une graine, c'est quelque chose qu'on va polir avec la plus grande attention pour proposer, bien sûr, au public international. Et on est très, 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 très heureux que tu sois à nos côtés. Moi aussi, je suis content. Justement, Lone, l'enfant des la trop d'énergie. Je te jure. Je suis flatté. La question restera à poser. Les gingembre. Ouais. Alors, Polo, avec toi également, c'est autant de titres, autant de. Mais pourquoi tu fais signe des gens quand c'était Qui, moi? À Soyou. Qui continue de faire vibrer. À Soyou, doing that. Ouais, Polo, vas-y. C'était quoi la question déjà? Oui, autant de titres, autant de tubes, c'est une succession de tubes, des collaborations avec Elon, des titres en fait, Polo, en fait, je vais vous expliquer, Ouais, ici, la chacala, lui, c'est le chacal. En fait, c'est voilà, la même famille. C'est ça. Donc, il a mes gènes, en fait. Ah, d'accord. Faut aussi avouer que, genre, j'ai quand même pris un peu de graines de. Comme l'a dit l'école. Voilà. Kif Nobit, c'est comme ça. Il a pris la graine. Dieu merci, viens mettre Nespon Doku qui est là, avec Didi, avec Elou, avec un peu tout le monde de Kif Nobi, tu vois. Donc aussi, tu vois, non, connais le petit un peu de truc là, tu vois. Le côté tube là. Polo, c'est de la musique urbaine, mais c'est avant tout une africanité assumée. Ouais, c'est une petite touche. C'est une africanité assumée, comme tu dis, c'est ce qui fait un peu ma différence. Parce que tout le monde, genre tout jeune aujourd'hui, veut faire un peu comme les Européens. Les occidentaux, j'en montrais, ouais, on fait flotte, on fait ça, on fait ça. Exactement. Mais voilà, mais je me suis dit, voilà quoi, pourquoi pas valoriser aussi nos cultures à travers ma musique, même si c'est de la musique pour les jeunes que je fais, mais aussi rajouter cette touche africaine parce qu'elle a tendance à se perdre, voilà. Dans une interview, tu as dit que tu ne fais pas de la musique. Je fais pas de la musique, c'est du polo, c'est du polo, c'est ça. C'est ce que je voulais qu'il me dise. Je fais pas de la musique. Faire du polo, c'est quoi exactement? Faire du polo, c'est faire ce que je pense être bien, tu vois. Déjà, moi, tout son que je fais sortir, c'est déjà bien pour moi, sur le labo, avant d'être bien pour les gens, tu vois. D'accord. Donc, c'est ça. En fait, ils sont les sons tu penses à toi avant de penser à nous, d'abord. C'est ça le plus important.